c'est lourd, c'est que ça tourne. Je veux des génies, tu peux y aller. Ça revient. Un, deux, trois. Si. Je suis là. Où est-ce que j'ai mis mon portable? Qu'est-ce qu'il y a pris mon portable, Manu? C'est pas moi. Comment? C'est tout, Marie. Doucement, le pic, c'est trop. Là, nous sommes au port de Trégastel. On doit emprunter le chenal qui est là. Là, il y a des petites latérales, des petites perches, en espérant que ça puisse le faire quand même. Là, et on va aller directement ici. À l'île Rosique pour voir les fous qui sont ici. Vinis, il y a Argazec, il y a Diaval ici. Bon voilà, il faut faire attention en fait. Donc on tourne, on essaye de se rapprocher de l'anse qui est ici là, vous voyez, il y a un petit. Une petite. Ça forme, je sais pas, il y a une petite surface, ça forme une goutte là. Donc là, il y a toujours au minimum 10 mètres d'eau. Bon, on reste là, un petit peu, on observe, on repart. Ici, on passe tout proche des cailloux. Pour aller voir des macareux, des pingouins et tout, dans le sont cool. Là. Parfois on peut voir des phoques ici. Le blanc. C'est oui, j'aide un peu. Le blanc, c'est toujours minimum 10 mètres d'eau. C'est l'isobate des 10 mètres. Dès qu'on passe en couleur bleue, il y a moins de 10 mètres d'eau. Et lorsque ça devient ici un peu vert, verdâtre, ben là il n'y a plus d'eau, ça échoue. Et donc on rentre là-dedans et puis ici il y a une porte. On va rentrer avec ce bateau. Jean
voit pas dans la crique. Parce qu'en plus, on a été. On a vu que 2-3 à chaque fois qu'on est passé. Et on les verra peut-être sinon à Lille, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est bon. C'est la piscine des phoques, on l'a fait. En général, ils sont là, les phoques. Là, on va prendre cher. Oh, regarde, tu sais, bon. On va prendre cher. C'est mignon. Tu veux voir, Eline? Attention. Non, on va prendre un bateau. Je vais m'appuyer avec l'avant du bateau proche des escaliers.